Yes, bonjour. Yo tout le monde, salut bon dîner, deuxième jour. Donc comme on a dit précédemment, on va aller acheter une épuisette pour aller pêcher du crabe maintenant. Repérage de crabe sur les réseaux, mon gars. Putain, ils vont prendre une épuisette de qualité pour faire un pêchage de qualité. Je vais les porter. Au magasin d'épuisette. Voilà, voilà le magasin d'épuisette. On va épuister. J'espère qu'ils vont rien dire par rapport à la GoPro. Non. Oh, regardez. Regardez, c'est bon, on se retrouve en face des épuisettes. Enfin. Alors, jaune, nous allons une épuisette. Oui. Perfect. On est à la plage. Nous enfin. Sommes arrivés. Voilà, regarde. Allez, j'ai pas eu le temps de voir. Voilà la plage. Et l'avantage, c'est que je sais pas si vous le voyez, mais tout au bout, il y a une espèce de petite bite de je sais pas quoi. Et c'est Fort Boyard, mec. Voilà. Ouais. Ça se trouve, si on prenait le drone, et ben. On arriverait peut-être à aller le voir, à l'approcher, on va dire. Ouais. On se rend pas compte, mais en fait, ça se trouve, il est à plus de 10 km. Facile. En fait on est proche de Boyardville et Boyardville mec c'est là où en fait ils partent de d'ici pour aller rejoindre le fort les stars. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup ça peut. Ouais on essaiera peut-être. On essaiera peut-être à la nage mais on verra. Perfect. Voici des méduses. Ah, c'est bon j'ai trouvé un crabe gros. C'est ça les crabes? Ah mais non mais mec c'est. C'est ça les crabes ou quoi? C'est des méduses mais elles sont énormes. On vient nous piquer nos crabes, c'est pas bon. Ça va? Ah ouais, on fait une vidéo. Oui, on est youtubeur. Ah ouais. Tu vas aller voir notre chaîne si tu veux. Tu veux passer dans la vidéo? Oui. Bonjour. Bon, ça fait plaisir, on rencontre des gens qui s'intéressent à la caméra, donc ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai, en plus ton temps c'est qu'une GoPro, hein. C'est pas comme si on avait sorti le... Perfect. Donc cette fois, le but de cette petite vidéo, ça va être de forer un puits, de faire un trou. Pourquoi ne nous demandez pas, en fait, c'est juste un délire qu'on a depuis gamin. Creuser des trous à la plage, ce qui est terrible. Je creuse des trous et je sais même pas pourquoi. Ah ouais? Je creuse des trous et je sais même pas pourquoi. Je creuse des trous et je sais même pas pourquoi. Ok. Je creuse des trous et je sais même pas pourquoi. Sympa. Finir notre journée à la plage aujourd'hui et on va faire quelque chose, on va aller faire voler le drone. Yes. Sauf qu'en fait vu qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit sur la plage mais on veut quand même le faire, tu vois. On est quand même têtu. Du coup on va le faire voler à 350 mètres de haut direct depuis la voiture. Voilà. Mais genre 350 mètres c'est hyper haut tu vois. Et en fait après on va avancer, comme ça les gens ne verront même pas le drone en fait. Ils croiront que c'est un piaf. Voilà un piaf. Un piaf qui fait beaucoup de bruit quand même. On va se dépêcher, on va essayer de capturer les meilleures scènes possibles pour rendre bien la montagne. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui visite d'un parc reptilien. Absolument, du coup on fera quelques plans. On se retrouve au parc, à tout de suite. J'arrive pas à tirer. Mais tu fais quoi mec? Bah jamais. Mais mec, y'a pas de téléphone? Ah ouais? Bah je sais pas. Ha ha ha!
Voici un Hydrosaurus. C'est un espèce de lézard géant de l'Asie du Sud. Il vit dans les forêts tropicales et dans la rivière. Il a une longévité de 8 à 10 ans et il mesure jusqu'à 100 cm. C'est le plus gros quand le mec a poussé les cheveux. Là c'est d'une taille impalpable. C'est impressionnant, ouais, c'est dedans. Il fait jusqu'à 4 à 5 mètres. Sa mâchoire, une force atteignant le poids d'une masse de 964 kg. C'est-à-dire qu'il peut mordre dans un truc qui fait une tonne. Ouais. Enfin, non, c'est la pression en fait. Ouais. Allez vas-y, fais un drift, roule à fond et fais un drift. Je trouve que tu roules à fond et d'un coup tu tires. Vas-y gros, vas-y à fond, mais d'un coup tu tires. Olé. Direct. Oh c'est magnifique! Sur un T-Rex du futur! Avec un diplodocus quoi. Un diplodocus? Ouais. Et là nous avons une femme qui met sa tête dedans. Fais gaffe! Attention, vous allez vous faire norme. Toutes les races de dinosaures. Vos mères c'était dinosaures. Elle est giga un homme qui a abusé de l'alcool. Trop d'alcool, c'est pas bien. Bonjour. Mais c'est la grande roue qui est derrière vous. Bien sûr, on parle pas de roue de rouquin, mais on parle bien. Putain, non, David, non. Ah, c'est trop drôle. Hilarant ce gars. Regardez la grande roue, et j'aimerais trop la faire une fois dans ma vie, j'ai jamais pu. C'est trop classe, gros. Les machines à sous, là où je pourrais dépenser 100 euros pour avoir un briquet, trop génial. Voilà. Petite anecdote, Kevin est très très accro à ce jeu. Je me souviens qu'à l'époque on y avait été ensemble, il avait dépensé mais vraiment énormément d'argent pour avoir au final une peluche. Généralement, non, les lots les plus réputés là-dedans, c'est un briquet, un stylo, un pistolet à billes ou une peluche, ouais, éventuellement. Ou alors le Bob l'éponge ultime que personne n'aura, bien évidemment. Ou le tigre, oui, tigre géant, personne n'aura. Et qui généralement ça te revient à 50 voire 100 euros. Donc c'est plutôt un investissement coûteux pour. J'en ai marre là. Ce jeu est terrible, franchement, j'aurais argent limité, j'aurais dû tout à sortir. Franchement, je propose qu'on, pour se venger, qu'on fasse une petite partie de peluche. Allez, une partie de peluche. Alors, qui te ferait plaisir, mon Kevin? Franchement, il y a le choix parce qu'il y a énormément de peluches. Le petit cube, toi, le petit cube en smiley. Ouais, le petit cube en smiley, vas-y, allez, vas-y. Oui! Oh. Allez, headshot! Attention, madame! C'est pas grave! David le peluchiste, n'abandonne jamais! Oui! Non, t'as tapé! C'est pas grave, on a déjà eu deux, franchement! Bon, allez, les gens, c'est parti, on va aller faire un petit tour de roue! C'est parti, on va les payer! On est chaud! On est enfin dans un endroit! Peut-être un adieu, si jamais on revient pas, mais non, ça devrait bien se passer, c'est bon! C'est bon, mais moi, c'est que j'aime pas trop ça! Les fixations sont aux normes! Normalement c'est bon, mais on sait jamais. J'ai toujours ma peluche pour me sentir bien, pour me cacher les yeux vraiment. Lorsqu'on monte, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je me sens pas bien, attends. Ah, regarde. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Ah putain, regardez, on voit toute l'avenue. On est au plus haut là, on est au plus haut. Bon, ça va. David est rassuré. Ah, quel manège, s'il vous plaît. Il l'arrête, les bâtards. Il l'arrête. Oh le fils de chaman. Tata. Bon voilà, non mais j'ai pas eu peur, on était pas à l'aise du tout. Et je crois que sincèrement je leur ferai pas personnellement. Ouais. Bah en fait, c'est, tu vois, c'est kiffant mais c'est, ça fait flipper, non? Ouais.
C'est l'heure de manger. Il est midi.